Monsieur Cyrulnik donc est médecin, neuropsychiatre, psychanalyste, directeur d'enseignement donc en éthologie à l'université donc de Toulon. Et j'ai envie de dire surtout un formidable effectivement donc clinicien et un scientifique reconnu et surtout un formidable connaisseur donc de la patte humaine et de l'âme humaine et un formidable conteur qui est capable justement donc de faire dialoguer à la fois les aspects les plus intimes du fonctionnement un petit peu psychique, de la vie affective et de la relation à l'autre, avec les dernières découvertes justement sur les aspects développementaux liés à l'attachement, liés à l'importance aussi de ce corps et de ce cerveau qui aussi participe à ça. Et vous savez, je vous invite, Monsieur Cyrulnik, à une bibliographie élogieuse et prestigieuse derrière lui, qui l'a rendu célèbre, que ce soit effectivement les nourritures affectives, que ce soit effectivement sous le signe du lien. Et régulièrement, il nous apporte effectivement un éclairage, parce que c'est un grand globe-trotteur, on en parlait. Et il disait justement que voyager, c'était aussi permettre de mieux comprendre la complexité effectivement du monde qui nous entoure. Et je crois que c'est quelqu'un éminemment effectivement donc intéressant sur le plan intellectuel, qui nous invite un petit peu à changer parfois un peu nos angles de vue, nos perspectives un peu de pensée, et c'est en cela effectivement que je le remercie. Alors, j'espère effectivement que vous saurez l'accueillir à sa juste valeur, d'accord. Je vous souhaite une bonne conférence, et encore une fois, mille merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va passer une petite heure pour parler d'un problème d'une manière intégrative, c'est-à-dire que si vous voulez réussir vos examens, vous avez intérêt à acquérir un savoir fragmenté, la physique, la chimie, l'histologie, la clinique, etc. Or, quand on est praticien, on ne peut pas fragmenter la personne qui est à côté de nous, en face de nous, elle est globale, elle s'assoit près de nous avec son corps, son cerveau, son histoire, sa religion, sa culture, etc. Et nous, on est obligés, pour avoir nos examens, de fragmenter le savoir et pour pratiquer, d'intégrer le savoir. Donc c'est la deuxième démarche que je vous propose maintenant, c'est-à-dire que quand j'ai fait mes études, donc on devait choisir son camp, c'est-à-dire c'était la biologie qui méprisait la psychologie, qui méprisait la biologie. Et chacun méprisait l'autre, ce qui fait qu'il y avait des relations humaines assez moyennes. Alors que maintenant, la tendance, c'est justement d'associer et de faire des équipes pluridisciplinaires pour essayer d'intégrer le savoir. Et contrairement à ce qu'on nous disait il y a 30 ou 40 ans, on nous disait, mais on ne peut pas intégrer, faire d'équipes pluridisciplinaires. Or, actuellement, c'est ce qui est recommandé par les grands paquebots de la recherche, l'INSERM, le CNRS, qui recommandent de faire des équipes pluridisciplinaires. Et contrairement à ce qu'on nous disait, chacun étonne l'autre et chacun enchante l'autre. Et les biologistes découvrent la psychanalyse, qui découvrent la biologie, qui découvrent la sociologie. Et c'est un petit peu comme ça d'ailleurs qu'on est formé, puisque nous médecins, on nous demande d'apprendre un petit peu de tout. Un peu de chimie, on n'est pas chimiste. Un peu de physique, on n'est pas physicien, etc. Donc voilà l'attitude épistémologique que je vous propose pendant une petite heure. Donc l'attachement, c'est la théorie qui est actuellement, la théorie psychologique est actuellement la plus citée, parce qu'elle intègre des données biologiques, affectives, psychologiques, sociales, culturelles. Et cette intégration, c'est un petit peu le raisonnement que je vais vous proposer. C'est-à-dire que voilà comment a démarré l'aventure à l'époque de Skinner. Alors Skinner, c'était un professeur de psychologie qui utilisait des rats pour poser des questions humaines. Alors, c'est-à-dire, c'était l'époque du conditionnement opératoire, conditionnement... Enfin, c'était l'époque où le conditionnement expliquait l'âme humaine. Alors voilà ici... le professeur Skinner est en haut de l'image, hein, ne vous trompez pas, en bas c'est le rat, et le rat est en train de conditionner
le professeur Skinner, parce que le rat a très bien compris qu'en appuyant sur une pédale qui donne deux boulettes de viande, le professeur, s'il appuie sur la pédale de droite, le professeur lui donnera deux boulettes de viande, alors que s'il appuie sur la pédale de gauche, il ne lui donnera qu'une seule boulette. Donc le rat a vite compris et il conditionne le professeur, il appuie sur la pédale de droite et il reçoit deux boulettes de viande. Or, il y a eu une époque où on expliquait, par exemple, l'acquisition du langage de cette manière, par des réflexes. Ouvrir la bouche, conditionner, par un savoir très fragmenté, et on pensait qu'on pouvait expliquer l'âme par ces petits morcellements. Lorsque est arrivé monsieur et madame Arlot, primatologue, et monsieur et madame Arlot sont partis d'une attitude de recherche assez différente. Ils ont dit, ils sont partis d'une phrase de Papa Freud. Et Freud, contrairement à ce qu'on nous a appris, Freud était intégratif. Il n'a jamais été psychiatre, il a été neurologue, il a continué à publier toute sa vie en neurologie. La plupart, un grand nombre de ses hypothèses sont confirmées aujourd'hui par les neurosciences. Par exemple, l'hypothèse du frayage, qui dit qu'une information se fraye dans le cerveau un premier chemin, ce qui fait que la deuxième information aura tendance à prendre plus facilement le même chemin, donc c'est les processus d'apprentissage. Il avait appelé ça frayage, ça avait beaucoup étonné les gens qui n'avaient pas réagi. Aujourd'hui, les imageries neurologiques confirment que, effectivement, une information qui vient du milieu extérieur sculpte, fraye des circuits dans le cerveau et crée des aptitudes particulières à percevoir le monde. Alors là, je sais qu'il y a des philosophes dans la salle, ça veut dire que le monde qu'on perçoit est un monde qui est construit par d'abord notre appareil neurologique qui lui-même est construit par le monde qu'on perçoit. Ça veut dire que l'homme façonne le monde qui le façonne. Et une fois que notre cerveau est circuité par la structure du milieu qu'on a inventée, structure du milieu social, structure du milieu relationnel, conditions éducatives, entraînements physiques et mentaux, une fois que le cerveau a été sculpté, circuité, disent les Américains, par le milieu, il perçoit de manière préférentielle un type de monde. C'est-à-dire que le monde qu'on perçoit, c'est celui pour lequel on a été préparé à le percevoir. Donc ce qu'on appelle réalité, c'est une construction, c'est une représentation du monde. Là, je suis encore pendant quelques minutes dans la biologie, mais je dirai tout à l'heure la même chose avec les théories, avec les mots, avec les représentations verbales. Une fois qu'on a acquis des mots, une fois qu'on a acquis une histoire, on perçoit plus facilement le monde qu'on se représente verbalement. Je ne sais pas si vous me suivez. De toute façon, je reprendrai ça plusieurs fois. Donc, monsieur et madame Arlot, primatologues, disent, Papa Freud dit que c'est l'alimentation du nouveau-né. L'alimentation fonde l'amour. Le bébé s'attache à sa mère parce qu'elle le nourrit. Alors, bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. C'est une opinion qui est fortement défendue encore aujourd'hui. Et monsieur et madame Arlot disent, mais pour ça, il faudrait avoir une méthode expérimentale pour voir si vraiment l'alimentation fonde l'amour. Alors, le dispositif est le suivant. Vous avez là une mère en fil de fer qui nourrit, qui porte un biberon, et vous avez là une mère en feutre qui ne porte pas de biberon. Or, voilà ici le stresseur, c'est-à-dire c'est un nounours mécanique qu'on remonte, et le petit macaque est dans la cage. Et à un moment, on remonte, Arlot remonte le stresseur qui se met à battre du tambour. Voilà la réaction adaptée du petit macaque. Et voilà le résultat. Il se sécurise toujours contre le leurre.
feutre, doux, qui ne nourrit pas. Et c'est seulement une fois sécurisé qu'il a le courage, ou qu'il a, une fois sécurisé, il va chercher la nourriture sur le leurre fil de fer qui donne le biberon, mais qui ne sécurise pas. Donc voilà, à partir de ce dispositif expérimental, vous pouvez introduire des tas de variables, c'est-à-dire vous pouvez mettre un biberon de lait chaud, un biberon de lait froid, vous pouvez le faire bouger, vous pouvez le rendre immobile, vous pouvez isoler le singe avant, vous pouvez le mettre en groupe. Alors vous pouvez faire des tas de variables pour voir si cette phrase se confirme, ou s'il faut la modifier ou la nuancer. Or, cette phrase, cette observation expérimentale-là, si je dis qu'elle a été faite 1000 fois, je suis sûr de ne pas exagérer, cette observation, en faisant introduire des variables, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et cette observation expérimentale a suggéré à une psychologue américaine, Mary Answorth, elle lui a suggéré une idée: est-ce que ça n'est pas la même chose chez nos enfants? C'est-à-dire, est-ce que nos enfants n'ont pas le plaisir et la force de découvrir, de partir à l'exploration du monde des choses et du monde des gens, que si ils sont auparavant sécurisés par ce qu'elle propose d'appeler une base de sécurité? C'est-à-dire que, une fois sécurisé, le petit a la force, a acquis une confiance en lui suffisante pour aller chercher l'alimentation s'il est petit, plus tard pour aller chercher, se mettre en disposition verbale, se mettre en disposition de conversation pour apprendre à parler. Et là, on a donc, en associant l'éthologie, ethos, étude des comportements spontanés, expérimentaux, soit en milieu naturel, soit en faisant des variables expérimentales qu'on peut faire dans un laboratoire, mais qu'on peut faire aussi là où ça vit, en milieu naturel, ou dans une crèche, ou dans une maison. L'enjeu, c'est de... On n'a pas ouvert un seul... On n'a pas fendu un seul bébé. C'est-à-dire que les bébés sont observés en situation habituelle de l'existence, et c'est ce qui définit la situation standardisée de l'éthologie. Or, cette phrase, cette idée, alors les animaux, le modèle animal, il est pertinent, heuristique, impertinent et dangereux. Le modèle animal est pertinent. On a les mêmes hormones, on a les mêmes structures archaïques du cerveau, on a des grands axes, la colonne vertébrale, le tube digestif, le cœur. On partage ça avec le monde vivant. Mais on est dans le monde vivant, on est des êtres humains, c'est-à-dire que pour nous, le symbole, le feu, l'interdit de l'inceste, etc., le propre de l'homme, il y en a des milliers de propres de l'homme, c'est fou ce que l'homme peut être propre, hein, parce que comme si on avait absolument besoin de se démarquer du monde animal. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, avec ces expérimentations, vous rabaissez l'homme à la condition animale. Je vois pas ce qu'il y a de rabaissant. Les goélands ont de meilleurs yeux que moi, ils ne me méprisent pas. Mon chien a un meilleur flair que moi, il ne me méprise pas. Et moi, j'admire mon chien parce que il adore Lacan. C'est-à-dire que quand je lui lis Freud ou Lacan, il couche les oreilles, il remue la queue. Il adore Freud, il adore Lacan. Alors, Il y aura des questions ensuite pour l'examen, et vous direz, le chien de Cyrulnik adore Freud et Lacan. Donc ça c'est... Donc ça veut dire que, à partir de cette situation expérimentale, manipulable, on peut introduire des variables, réfutable, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit et le devoir de ne pas être d'accord, mais dans ce cas, il faut que vous refassiez cette expérimentation avec cette méthode ou une autre méthode, pour arriver à une autre conclusion. La conclusion, ce n'est pas la vérité. La conclusion, c'est une question, une autre question. Donc ça veut dire que c'est réfutable. La méthode scientifique, elle est manipulable, vérifiable et réfutable.
alors que le dogme est irréfutable. Vous me croyez, sinon vous serez excommunié, déporté, rééduqué, torturé, etc. Donc ça c'est le dogme, alors que dans une démarche scientifique, vous avez le droit de chercher, le devoir de chercher à réfuter. Mais il faut argumenter, il faudra que vous fassiez des expérimentations. Alors, à partir de cette hypothèse-là, alors le modèle animal est pertinent. C'est-à-dire que les structures hormonales, l'archéocerveau, le cerveau limbique, le cerveau de la mémoire et des émotions est à peu près le même, mais les deux caractéristiques du cerveau humain, c'est-à-dire le cerveau, le cortex, la substance grise, et surtout les deux lobes préfrontaux, sont apparus très tard dans l'évolution. L'espèce humaine consacre un tiers du poids total de son cerveau au lobe préfrontal, alors que les autres mammifères consacrent 15 ou 16% pour les chiens, 25% pour les chimpanzés, 5% pour les oiseaux, etc. Donc ce qui caractérise, on a un cerveau spécial, mais pourtant on partage l'archéo-cerveau, le cerveau de la survie, le cerveau du combat, de la fuite, de la reproduction, du sommeil, on le partage avec tous les êtres vivants. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de vivre dans un monde humain qui est un monde essentiellement fait de représentations. Représentations d'images et représentations de mots, surtout les récits, on en parlera tout à l'heure. Alors, le modèle animal est heuristique, c'est-à-dire que cette observation qui a été faite avec des petits macaques, en fait, si vous la refaites avec des singes capucins, ce n'est pas du tout la même situation. Les singes capucins ne sont pas sécurisés par leurs parents, ils sont sécurisés entre frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils se blottissent entre eux, ils se sécurisent mutuellement, ils abandonnent très vite leurs parents, qui d'ailleurs les portent sur le dos pendant un moment, puis dès qu'ils se décrochent. Alors donc c'est heuristique, ça veut dire que ça pose une question, ça suggère de faire une observation analogue chez les êtres humains, ça peut donner des réponses comparable, ça donne souvent des réponses différentes. Alors le troisième chapitre, le modèle animal, n'est pas pertinent. Certaines substances, par exemple la morphine qui nous euphorise, provoquent des rages chez les souris. Les métabolismes donc, on ne peut pas extrapoler d'une espèce à l'autre, puisque les mêmes substances n'ont pas le même effet d'une espèce à l'autre. Et enfin, le modèle animal est dangereux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est vrai chez les animaux que ce doit être vrai chez les êtres humains, puisque nous, on vit dans un monde de légal, c'est nous qui décidons des lois que nous allons passer ensemble pour vivre, et ce n'est pas la nature. D'ailleurs, on parle abusivement des lois de la nature, il n'y a pas de loi de la nature, il y a des phénomènes naturels que les scientifiques parviennent à faire parler, à mettre en image, en courbe, en mots. Ce sont des phénomènes naturels, ce ne sont pas des lois, donc là il y a une petite dérive sémantique. Ce qui n'empêche que lorsque le singe, Harlow, dispositif expérimental, Marianne Swirth s'en inspire pour faire l'hypothèse heuristique, est-ce que ce n'est pas pareil chez nos enfants? Est-ce qu'on ne peut pas dire que nos bébés n'ont la force et le plaisir d'explorer, d'apprendre que si d'abord ils sont sécurisés par... alors en France on dit la mère, mais les Américains qui sont plus honnêtes que nous sur ce plan-là seulement, les Américains parlent de mothering figure, c'est-à-dire de figure maternante. Figure maternante, statistiquement c'est la mère, ça peut être une autre femme. On sait maintenant que les hommes peuvent être de bonnes mères, et certaines institutions font très bien leur travail, ils peuvent s'occuper des enfants abandonnés ou des enfants maltraités. Or, on a là une manière de poser des questions et un dispositif expérimental. Et avec Daniel Stern, on se dit, eh bien, on va voir comment nos enfants se comportent avec des figures étranges, étrangères, inconnues, j'aurais dû dire inconnues. À 10 mois, c'est-à-dire bien avant la parole, hein, puisque nos enfants commencent à parler seulement vers le 20e mois. 17 mois pour les filles, 23, 24 mois pour les garçons. Je suis désolé, mais faudra faire une discrimination positive en faveur des garçons pour que les garçons apprennent à parler plus tôt. Ce qui n'empêche que
lorsque deux enfants sur trois, à l'âge de 10 mois, ils ne parlent pas, c'est des toddlers, deux enfants sur trois ont acquis l'attachement sécure, c'est-à-dire qu'ils sont sécurisés par la figure d'attachement, ma mère, une femme, un homme, ils sont sécurisés, donc ils peuvent l'acquitter. Et c'est seulement parce qu'ils sont sécurisés qu'ils peuvent explorer. Alors, ces deux enfants sur trois, le dispositif d'observation est éthologique, c'est-à-dire naturel, en milieu humain. Monsieur, madame, asseyez-vous sur cette chaise. Un enfant qu'on a évalué par des comportements sécures, plus tard on l'évaluera par des questionnaires d'attachement, mais là il a 10 mois, il ne parle pas. Il rentre, il a sa petite frayeur, maman est là, ou elle s'en va, elle se met à la porte. Il y a ce monsieur étranger qui est là. Les enfants sécures ont une petite frayeur, se sécurisent, se blottissent contre leur mère, ils observent le monsieur inconnu, et puis ils s'approchent de l'inconnu, et ils lui font un babil. Alors, ils ne parlent pas, c'est des proto-mots, c'est patati, patata, ils font des proto-mots. Il y a un tour de parole, c'est-à-dire que l'adulte écoute ce babil, et puis lui, il parle, il reformule avec des mots. L'enfant attend la fin de la phrase qui est annoncée par une prosodie, c'est-à-dire une variation de la musique des mots. On sait qu'on va finir une phrase, et les enfants, les bébés, le savent très tôt avant d'avoir même la maîtrise des mots. Ils savent que vous allez finir la phrase. Ils sont attentifs, ils attendent la fin de votre phrase, et ils refont un babil. Ils se mettent en disposition spatiale d'apprendre à parler. Alors que les enfants insécures, parce qu'ils ont été malades, parce qu'il y a une tragédie chez eux, parce que les parents sont chômeurs, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la précarité sociale, parce que, etc. Un enfant sur trois n'a pas acquis l'attachement sécure, c'est un enfant insécure. La mère est là, le monsieur est là, il reste blotti contre sa mère, ou alors il reste immobile, apparemment froid, alors qu'il y a un orage intérieur, mais il ne sait pas s'exprimer. Ou alors il est ambivalent, c'est-à-dire qu'il s'approche du monsieur, fait un babil et lui tape dessus, ou le mord, ou se réfugie. Ou alors il est confus et on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors que les enfants ne parlent pas, mais les bébés, on comprend très vite ce qu'ils veulent prédire. Il y a des petits comportements, des cris, on comprend très vite, on comprend ce qu'ils veulent exprimer, en tout cas ils ne le disent pas avec des mots, mais ils s'expriment et on comprend. Or, là, on comprend mal, ces enfants-là. Alors là, voilà, je souligne ce que je vais vous dire. Ces enfants-là, un enfant sur trois, ne se mettent pas en disposition spatiale pour apprendre à parler parce que chez eux, il y a eu une souffrance autour d'eux. Souffrance, conflit, maltraitance, précarité sociale, guerre, etc. Il y a eu autour d'eux, il y a eu une souffrance, ce qui fait que c'est pas ces enfants non sécurisés se mettent en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler. Or, c'est là-dessus surtout que on fait notre première orientation scolaire à l'école, c'est sur l'aptitude à parler. Alors voilà ici un autre dispositif, c'est que Freud disait, dès le début du 19e siècle, il disait qu'on ne peut pas séparer le corps de l'âme. Il employait le mot âme au sens laïque du terme parce qu'il était il était athée, et donc pour lui le mot âme c'est le monde du dedans, le langage intérieur. Or il dit mais on ne peut pas séparer le corps et l'âme, c'est la structure du milieu qui modifie la manière dont notre cerveau et notre corps fonctionnent, ce que les neurosciences aujourd'hui confirment. Tout à fait. On ne peut pas séparer le corps, le cerveau du milieu, on ne peut même pas séparer le corps de la structure affective, manière de parler, sécurisée, même de la structure sociale, on en parlera tout à l'heure. Alors, comment faire? Là, c'est une expérience qu'on appelle les expériences de Gaspar Hauser, en référence à la légende allemande du 19e siècle, où il paraît qu'un garçon isolé, élevé en isolement, mis dans une cave,
élevé en isolement sensoriel, aurait réussi à s'échapper à l'âge de 17 ans, et il découvre le monde. Alors, il y a un film de Truffaut là-dessus, sur l'enfant sauvage, un très beau film, où il a essayé de repenser à l'enfant sauvage. Est-ce qu'un de nos enfants pourrait se développer sans autre? La réponse est claire. Même s'il est génétiquement sain, neurologiquement sain, biologiquement sain, s'il n'y a pas un autre autour de lui pour tutoriser ses développements, il ne développera rien du tout. C'est-à-dire qu'il est totalement sain et il deviendra gravement malade de la privation d'un autre. Alors, expérimentalement, on ne peut pas isoler un bébé pour voir ce que ça donne. Alors, en revanche, chez les animaux, ça se fait, un accident, où on le fait expérimentalement, et la clinique est bien plus cruelle, parce qu'actuellement, sur la planète, il y a énormément d'enfants abandonnés, et ces enfants abandonnés sont mis dans des situations d'isolement social et d'isolement affectif, qui provoquent des dégâts neurologiques, alors que génétiquement et biologiquement, ces enfants sont sains. J'ai travaillé la semaine dernière en Bulgarie, il y a énormément d'enfants abandonnés. Lorsqu'on a fait le même travail en Roumanie, dans les années 90, les enfants étaient pseudo-autistiques. Lorsque j'ai demandé des scanners de ville, hein, c'était même pas une recherche de haut niveau, des scanners de ville, tous ces enfants isolés à cause d'une pensée politique folle, criminelle, tous ces enfants isolés, privés d'autres, privés de parents, privés d'adultes, privés d'autres, ils étaient dans des cages, dans des lits, et ils passaient des années, des mois à se balancer, comme ça, eh bien, ils avaient tous une atrophie des deux lobes préfrontaux et du système limbique, qu'on voyait sans aucune difficulté au scanner de ville. C'était même pas une recherche de haut niveau, c'était le scanner de la ville. Or, lorsque on a fait fermer les mouroirs abusivement appelés orphelinats, on les a fait fermer, l'UNICEF, Petré Roman a joué un grand rôle politique là-dessus pour faire fermer ces mouroirs. J'ai eu l'occasion de suivre certains de ces enfants pseudo-autistiques, il n'y avait pas d'autres, et donc ils étaient autistes, puisqu'il n'y avait pas d'autres, altérés neurologiquement, ne parlant pas puisque personne ne leur avait parlé. Ils ont été confiés à des familles d'accueil. Un an après, les scanners de contrôle ont montré que l'atrophie fronto-limbique avait disparu. La simple stimulation par la vie quotidienne, toucher, parler, gronder, toiletter, enfin la vie quotidienne, avait fait disparaître l'atrophie en provoquant des synaptisations. Les neurones avaient été stimulés et le cerveau s'était remis à fonctionner pas toujours bien, souvent bien, parfois même très bien. Il y en a un que j'ai vu à Constanța, en Roumanie, pseudo-autiste avec un retard de langage fou, et maintenant il vient d'être nommé professeur d'université, ce qui prouve qu'il y a quand même de graves séquelles. Mais les résultats sont pas toujours aussi bons, mais ce qui est sûr, c'est que si on fait rien, tous les résultats sont catastrophiques. Voilà, ça c'est sûr, si on fait rien, c'est la catastrophe. Si on fait, on en récupère beaucoup, parfois très bien, parfois plus ou moins bien, et parfois pas bien. Alors comment expliquer ces reprises évolutives? On ne peut pas le faire avec nos enfants. On ne peut pas isoler un enfant, prendre une population, les isoler, les resocialiser avant 10 mois, les resocialiser après 10 mois, par une personne, par un groupe, introduire des variables. On ne peut pas le faire avec nos enfants. En revanche, quand on prend des mammifères supérieurs, c'est-à-dire des êtres vivants qui ont besoin d'un autre pour se développer, hein, je reprends l'idée de tout à l'heure, eh bien on constate que lorsque accidentellement ou expérimentalement on les prive de cet autre, eh bien voilà ce que ça donne, augmentation des activités auto-centrées, c'est-à-dire qu'ils se balancent et il n'y a pas d'autre. La seule autre, c'est des activités auto-centrées. Et lorsqu'il y a une émotion très forte, le rat, là, est en train de se couper la queue en deux. J'ai vu un singe qui avait été isolé, qui s'est planté le pouce
dans les yeux, qui s'est crevé l'œil, c'est parce que c'est qu'il n'y a pas d'autre. Donc une émotion très forte, hop, il s'auto-agresse. Alors, est-ce que actuellement, on voit dans notre clinique, on voit beaucoup se développer des scarifications chez les adolescents, alors que quand j'étais praticien, on en voyait, pour ainsi dire, pas. Une génération après, on en voit énormément. Question, hypothèse, hein, c'est pas hypothèse, est-ce que notre prise en charge des bébés dans les interactions précoces ne provoquerait pas un isolement sensoriel qui fait qu'à l'adolescence, l'âge de la prise de risque, le risque sexuel et le risque social, eh bien, ces adolescents n'ont pas acquis la confiance en eux qui leur permet de tenter l'aventure sexuelle et de tenter l'aventure sociale. Au contraire même, la privation sensorielle précoce leur a acquis un facteur de vulnérabilité neuro-émotionnelle. C'est-à-dire que quelque chose se passe dans notre culture, peut-être, probablement, qui fait que ces enfants sont moins enveloppés au cours des dernières semaines de la grossesse et au cours des premiers mois de la vie, ce qu'on appelle les interactions précoces, et qu'au moment de la prise de risque, hein, à l'adolescence, il faut partir, il faut tenter l'aventure, au moment de la prise de risque, bien, pour eux, c'est une angoisse extrême, ils se sécurisent en s'auto-agressant. Parce que, assez curieusement, ces scarifications, ou chez les psychotiques, c'est encore plus net, là, c'est pas des scarifications, ils se tranchent, j'en ai vu, se trancher l'avant-bras, et dès l'instant où ils se tranchent l'avant-bras, ils arrêtent de délirer, la souffrance, la blessure les ramène au réel, et le réel est moins terrible que les hallucinations, le monde d'hallucinations. Alors voilà une hypothèse explicative issue d'une démarche expérimentale qu'on ne peut pas faire avec nos enfants, mais que la clinique ne se prive pas de faire. Alors on introduit des variables, on sait qu'il y a des rats, chez tous les mammifères, il y a génétiquement 15% de petits transporteurs de sérotonine. La sérotonine, c'est un neuromédiateur qui passe dans la synapse entre un neurone et l'autre. Et les gros transporteurs, ils ont une force tranquille, ils sont pas très émotionnels, ils sont pépères, ils sont tranquilles. Il en faut beaucoup pour les stresser. Alors que les petits transporteurs, un rien les stresse. On leur parle gentiment, ils pleurent, on les emmène au cinéma, ils pleurent, on les emmène à l'opéra, ils pleurent, on leur offre un bouquet de fleurs, elles pleurent, c'est merveilleux. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie, c'est un tempérament. Si le milieu familial et le milieu culturel sont stables, c'est un tempérament, ce n'est pas une maladie. Dans cette salle, il y a statistiquement 15% de petits transporteurs de sérotonine. Les petits transporteurs, levez la main. Donc ça veut dire que ce n'est pas une maladie. Mais en cas d'épreuve de la vie, ils souffrent plus que les autres. Mais si on leur tend la main, comme ils s'attachent intensément, si et qu'ils verbalisent bien parce qu'ils ont besoin de comprendre et de verbaliser, c'est chez eux qu'on peut déclencher un processus de résilience plus facile, alors que les gros transporteurs, ils sont difficiles à blesser, mais quand ils sont blessés, ils sont difficiles à aider, parce qu'ils ont pris l'habitude de ne compter que sur eux. Donc voilà, on a donc une démarche expérimentale, biologique, relationnelle, qui a pourtant introduit des données politiques et des données socioculturelles. Or, en introduisant des variables, on voit que certains rats sont très faciles, on déclenche très vite, ou des mammifères, des chiens, des singes, ou nous-mêmes, chez les enfants abandonnés, certains, dans les fratries par exemple, certains déclenchent très vite des activités auto-centrées ou des auto-agressions, alors que le frère, la sœur ou le petit copain, on verra plus tard, hein, on a 20, et que, donc on voit que les réactions, et même quand ces enfants ont été abîmés par la privation affective, certains, on leur tend la main, on leur tend la parole, tant qu'ils redémarrent très très vite, et d'autres, il faut ramer, ils ont peur, on n'arrive pas, ils saisissent pas la main tendue, ils ont peur de nous, et donc c'est pas, il y a une inégalité de trajectoire, mais on commence à comprendre les composantes de cette vulnérabilité. Certains ont une composante génétique qui n'est pas une maladie, c'est un tempérament.
d'autres, parce que d'autres, notre composante génétique, on en a. Dans cette salle, on a tous notre sexe génétiquement déterminé. La couleur de notre peau et de nos yeux sont génétiquement déterminées. 7000 maladies sont génétiquement déterminées. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit quoi de la condition humaine ? Presque rien. Je n'ai pas parlé de la grossesse, je n'ai pas parlé d'interactions précoces, je n'ai pas parlé de la famille, je n'ai pas parlé du quartier, de l'école, de la culture, j'ai parlé de presque rien de la condition humaine, et pourtant, il y a des déterminants génétiques. Alors, mais ça n'exclut pas, comme disait Freud, ça n'exclut pas le milieu, parce que une bandelette génétique, s'il n'y a pas de milieu, d'abord c'est difficile à concevoir, une bandelette génétique sans milieu, qu'est-ce qu'elle donne ? Rien. Et un milieu sans matière génétique, qu'est-ce qu'il donne ? Rien. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux pour se développer. Et c'est un petit peu l'attitude des théories de l'attachement ou de Papa Freud. Alors voilà ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, les pédiatres anglais avaient parlé de l'étonnement de ce qu'ils avaient appelé le nanisme affectif. Et ils s'étaient dit, ces enfants, les Anglais ont beaucoup souffert des bombardements de Londres, et il y avait beaucoup de quartiers, des maisons écroulées, beaucoup d'enfants avaient vu leurs parents mourir, beaucoup d'enfants avaient été pris sous les décombres, et Anna Freud, la fille de papa, les avait placés dans des nurseries qu'elle avait réquisitionnées dans la banlieue proche de Londres. Or, aujourd'hui, en termes scientifiques, on parlerait de randomisation, c'est-à-dire qu'on met les enfants là où il y a un lit, on ne les sélectionne pas, il y a un lit là, ben, et cet enfant ira là. Or, le devenir de ces enfants n'a pas du tout été le même selon la structure des institutions. Il y a des institutions où beaucoup d'enfants sont morts, beaucoup d'enfants sont devenus délinquants, beaucoup d'enfants sont devenus des retardés mentaux très importants, et d'autres institutions où aucun enfant n'est mort, aucun enfant n'a été retardé ni n'est devenu délinquant. C'était une randomisation. Donc Anna Freud et René Spitz disent probablement la solution de ce mystère, c'est dans la structure de l'institution et dans sa manière de fonctionner. Puisque génétiquement, c'était des petits Anglais, les Anglais sont quand même de race supérieure, puisqu'il n'y a qu'en Angleterre qu'on voit des enfants parler en anglais sans accent. C'est-à-dire, ils commencent très tôt. Donc ça veut dire que ces enfants-là, donc il y avait un mystère. Et surtout les pédiatres anglais disent, mais ces enfants isolés, affectivement, ont une morphologie particulière. Ils sont beaucoup plus petits que ce que génétiquement ils devraient être. Ils ont une petite tête et des longs doigts. Qu'est-ce qui se passe ? Et ils n'ont pas su trouver l'explication. Or maintenant, avec les capteurs médicaux de la pratique quotidienne, on peut répondre à cette question, comme je l'ai fait, et on constate que les enfants en carence affective, eh bien, ils n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire que, avant de se laisser partir dans le sommeil, ils ont peur, et ils pleurent, ils appellent maman qui n'est pas là dans ce cas-là, puisque c'est des enfants qui ont été placés dans des institutions à cause de la guerre, ils appellent maman, ils ont peur, et ils ne s'endorment que épuisés, c'est-à-dire que dans le sommeil, il y a d'abord, on est vigile, c'est-à-dire qu'on a des cycles, l'électroencéphalogramme montre des cycles à 8 cycles secondes, ça c'est l'attention vigile, puis au bout d'un moment, on décroche un petit peu, on voit apparaître des ondes lentes, puis on voit apparaître des ondes lentes, et puis apparaît un sommeil rapide, qu'on appelle le sommeil paradoxal, parce que c'est une décharge biologique intense, coûteuse, qui consomme beaucoup d'énergie, alors que les muscles sont complètement relâchés, et que c'est le moment du sommeil profond. Donc cette décharge corticale coûteuse, contraste avec un corps complètement relâché. Or, on constate que ces enfants-là, puisqu'ils ont peur, ils ne sont pas sécurisés, ils s'endorment quand ils sont épuisés, et on voit que les phases lentes préparatoires sont sabotées. C'est-à-dire que ces phases lentes, 1, 2, 3,
n'existe presque pas. Or, la phase lente des grandes ondes lentes du stade 3 stimule, c'est électrique, et ça stimule la base du cerveau, et ça provoque une augmentation des hormones de croissance et des hormones sexuelles. Et ça, on l'a dosé sans difficulté en ville, et on voit que les enfants en carence affective n'ont pas d'hormones de croissance et très peu d'hormones sexuelles. Donc on a des repères biologiques, alors que cette petite fille-là, on sait que à 5 ans, elle doit avoir cette taille en moyenne, cette taille, ce poids, elle doit avoir 3000 mots, elle doit avoir des règles de grammaire, elle doit correspondre à des tests psychologiques, elle doit comprendre. Or, cet enfant biologiquement sain, génétiquement sain, ne fait pas ses performances parce qu'il a été mal entouré, isolé à cause des bombardements de l'onde. Alors, lorsque on a travaillé avec les enfants adoptés, et le maître de ces travaux, c'est Michel Duhime, au CNRS de Paris, et on a constaté que tous les enfants adoptés n'ont pas été maltraités, mais certains l'ont été. Et on constate que une population d'enfants adoptés a une taille un peu inférieure à la population générale. Mais lorsqu'ils sont confiés à un substitut familial, ils rattrapent leur retard très rapidement et ils rejoignent presque la population générale. Presque. Alors voilà ici, donc maintenant qu'on pose des problèmes, il faut essayer de résoudre. Alors, ces petits macaques ont été expérimentalement isolés. Et ils ont une séance de psychothérapie. Alors autant dire que ce n'est pas une psychanalyse, mais 2 heures par jour, ils sont mis ensemble. Et on voit que, instantanément, chacun sert de base de sécurité à l'autre. Et on voit qu'il y a encore des activités auto-centrées, c'est-à-dire que on voit que les enfants, les bébés, ont encore des activités auto-centrées, mais qu'ils commencent à se sécuriser mutuellement. Les métabolismes se régularisent presque instantanément. Et si on offre une niche affective à ces petits, ils vont reprendre un bon développement, mais ça ne sera pas leur développement puisqu'ils ont été isolés. Ça sera un bon développement, mais ce n'est pas le développement qu'ils auraient dû avoir. C'est la définition de la résilience. Et on voit que même... Alors, pour ce qui est des stades 3, avec Montagnier, on avait pris une classe d'étudiants et on leur avait mis des dérivés d'électroencéphalogramme. On faisait le cours normalement, et puis il y avait l'électro et leur cerveau était enregistré. Leur activité cérébrale était enregistrée. Or, on a constaté qu'au bout de 20-25 minutes, 70% de la salle était en stade 3 de l'endormissement. C'est-à-dire que personne ne peut suivre une heure de cours, c'est l'heure légale, mais ce n'est pas l'heure biologique. Personne ne peut suivre une heure de cours sans décrocher. Donc à partir de maintenant, je vais parler doucement pour ne pas vous réveiller. Mais, donc voilà, on a donc des repères, on a des capteurs. Voilà ici une variable. Un petit macaque a été isolé, et plutôt que de le mettre en compagnie de PAIRS, on l'a mis en compagnie d'un miroir, et voilà le résultat. Le singe se blottit contre son image. Il ne parle pas, mais il perçoit des images. Il y a des gestes qui expriment des émotions. Il est capable de décoder les émotions des autres, des émotions de menace. Il comprend des tas de choses dans son monde de singe. Il ne parle pas, mais il comprend, comme nos bébés préverbaux comprennent, ou comme nos patients aphasiques, qui perdent la machine à fabriquer des mots, le lobe temporal gauche, eh bien, ils comprennent encore des tas de choses avec des images. C'est le cas de ce petit singe. Et il se blottit contre son image. Et dès qu'il est blotti contre son image, les métabolismes se régularisent. Donc on voit à quel point la présence de l'autre biologiquement est nécessaire. Je ne suis pas encore dans le monde verbal. Et que biologiquement, voilà ici... un singe chez Lacan,
un singe lacanien. Je ne sais pas si vous savez qui était Lacan, mais c'était un grand nom de la psychanalyse, et il s'est inspiré de l'éthologie pour décrire le stade du miroir. Et face au miroir, les animaux, dans un premier temps, ont peur du miroir, dans un deuxième temps, ils s'approchent, ils le touchent, puis s'approchent, ils le lèchent. Le troisième jour, ils passent la main derrière le miroir, comme s'ils comprenaient que c'est un objet, et pas... Et puis le quatrième jour, quand on leur donne une face à main, le quatrième jour, ils prennent le miroir et ils observent leur bouche ou leur arrière-train qu'ils n'ont pas l'occasion de voir dans les conditions naturelles. Donc ça veut dire que c'est des performances intellectuelles. Ça veut dire qu'ils sont capables de se reconnaître dans le miroir et ils sont capables de traduire un espace virtuel en espace réel, puisqu'ils prennent le miroir pour observer leurs fesses. Alors, voilà ici une expérimentation, la notion de période sensible qui est très importante dans les théories de l'attachement. On ne peut pas apprendre n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle vitesse. Voilà ici des petits canetons qui ont été, après l'éclosion, mis dans des boîtes jusqu'à la 30e heure. Ici, ils sont mis dans un couloir en cellule en verre, et là, il y a un leurre en celluloïde et une poulie qui permet de le déplacer le leurre dans une direction ou dans une vitesse variable. La première heure, on met un caneton dans le couloir et on observe que de 0 à 13 heures, aucun caneton ne suit le leurre. En revanche, de la 13e heure à la 17e heure, 90% des canetons suivent le leur, et après la 17e heure, les comportements de suite redeviennent aléatoires. On a donc là une démarche expérimentale qui montre que on ne s'attache pas n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. C'est-à-dire que, avant, pour le caneton, avant la 13e heure, on ne s'attache pas. Le monde est probablement confus, il n'y a pas d'objet saillant. Après la 17e heure, c'est trop tard, la période sensible est ratée. Entre la 13e et la 16e heure, on s'attache à tout objet mobile qui passe à ce moment-là dans notre champ visuel de caneton. Statistiquement, c'est la mer. Or, lorsque Chapoutier a sacrifié ses canetons, il a constaté que de la 13e à la 16e heure, c'était un moment déterminé génétiquement de synthèse de l'acétylcholine, qui est le neuromédiateur de la mémoire. C'est-à-dire qu'on a à ce moment-là une hypermémoire biologique qui fait qu'on saisit un objet saillant et s'il est là, on s'y attache. S'il n'est pas là, on ne s'y attache pas et on se transforme comme les enfants abandonnés. Avec Maurice Ohayon, on avait donné des substances à des chatons qui empêchaient la synthèse de l'acétylcholine. Ils ne s'attachaient pas. C'est-à-dire que l'attachement affectif repose sur un processus de mémoire biologique. Or, une fois qu'on est imprégné, voilà ce que ça donne. On a imprégné ce caneton à cet objet. En présence de l'objet, il est sécurisé, il explore, il visite l'espace, il fait son boulot de caneton. Il suffit d'enlever l'objet avec une poulie pour que, instantanément, le caneton se mette à courir en tous sens. Et il panique, il ne peut plus rien apprendre de ses apprentissages de caneton, il panique et il se met à avoir des diarrhées émotionnelles. Et il y a des gens au CNRS qui sont payés pour compter le nombre de diarrhées minutes. S'il y a des places à prendre, si ça vous intéresse. Donc on a là une démarche expérimentale qui permet de proposer l'hypothèse, l'idée, qu'en présence d'une base de sécurité, on peut apprendre son monde de caneton, son monde de singe, son monde d'être humain. En l'absence de base de sécurité, on est paniqué, on ne peut rien apprendre. Ça veut dire aussi que la même... Alors là, c'est au point de vue épistémologique, c'est important. On ne peut pas raisonner en termes de « une cause provoque un effet ». La même cause, la même information... En présence de l'objet sécurisant, provoque une réaction d'exploration.
la même information, en l'absence d'objets sécurisants, provoque une fuite en tous sens et une diarrhée émotionnelle. C'est la même information, un coup de sifflet tapé dans les mains. La même information. Voilà ici, donc, est-ce que ce phénomène d'apprentissage peut se faire à notre insu? Alors là, je quitte les cantons et j'entre dans la neurologie humaine. Il y a en neurologie un accident vasculaire cérébral qui n'est pas rare, c'est-à-dire que dans la zone pariéto-occipitale droite, parfois il y a un petit accident vasculaire qui bousille quelques neurones, les gens ont un petit malaise, et puis ils ne sont pas d'hémiplégie, c'est un petit accident, on voit un tout petit trou comme une aiguille au scanner, et les gens reprennent, simplement après ils sont mal assurés, ils sont vertigineux, ils ne savent pas ce qui se passe, et surtout, ils ont des troubles étranges, c'est qu'ils négligent toutes les informations qui viennent de l'espace gauche. Ils les perçoivent et soutiennent qu'ils ne les perçoivent pas. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on disait de notre ancien président, il y a une anosognosie, ils n'ont pas conscience de leurs troubles. Alors, et pourtant, il y a un obstacle, ils se dirigent, hop, ils évitent l'obstacle, et on leur dit, mais il y avait un obstacle? Alors, non, il n'y avait pas d'obstacle. Par exemple, les hommes se rasent la moitié du visage, et ils arrivent, et on leur dit, et l'autre moitié, ils laissent pousser la barbe. Et on leur dit, mais vous vous êtes rasé? Ah oui, mais pourtant vous avez la barbe qui a poussé. Ah non, ils soutiennent que, alors que nous on voit qu'ils ont une moitié du visage rasé, et eux soutiennent qu'ils sont complètement rasés. Autre exemple, on leur apporte le beefsteak frites, ils mangent le beefsteak et disent, et alors où sont les frites? Alors on tourne le plateau, et il y a le frites beefsteak, ils mangent le beefsteak, et ils soutiennent qu'on n'a apporté que la moitié du plateau. Donc, ils négligent les informations gauche alors qu'ils les voient. S'ils ne les voyaient pas, par exemple, dans les myanopsies, on ne voit pas ce qui est à gauche et les gens se cognent. Il y a un obstacle, ils se cognent. Là, ils ne se cognent pas, ils l'évitent et disent qu'il n'y avait pas d'obstacle. Alors, c'est une situation qu'on voit, qui n'est pas rare en neurologie, et on essaye d'évaluer cette négligence spatiale unilatérale de la manière suivante. Monsieur, madame, vous avez un dessin de Marguerite, voulez-vous le recopier? Voilà, il recopie comme ça. Vous avez une maison, voulez-vous la recopier? Il recopie comme ça. Vous avez un cadran, voulez-vous le recopier? Il recopie comme ça. Vous avez ce verre, les sanglots longs de Verlaine. C'est Verlaine ou Rimbaud? Je confonds toujours les deux. C'est Verlaine? Voulez-vous le recopier? Et il le recopie comme ça. Et puis, on leur donne un puzzle et on leur dit, voilà ce puzzle, voulez-vous le faire? Ils le font en 10 minutes, mais bien sûr, ils négligent l'espace gauche. Voulez-vous revenir dans 15 jours? 15 jours après, ils refont le puzzle, mais ils le font en 4 minutes et ils négligent l'espace gauche. 3 semaines après, voulez-vous revenir? Ils refont le puzzle en 2 minutes, ils négligent l'espace gauche, mais ce jour-là, on renverse le puzzle et on met ce qui était à gauche à droite et ce qui était à droite à gauche. Et on constate que ce qu'ils n'avaient jamais fait, ils le font en 3 minutes. On a la preuve qu'ils avaient appris à leur insu. Ils ont appris sans savoir qu'ils apprenaient, et c'est probablement comme ça qu'on apprend la langue maternelle. C'est-à-dire qu'on s'imprègne de la langue maternelle. La preuve, c'est que tous nos enfants apprennent toute langue maternelle en 10 mois, entre le 20e et le 30e mois, sans école, sans livre, ils apprennent la langue, 3000 mots, les règles de grammaire, sans école, sans prof, sans livre. Essayez de le refaire ensuite dans votre vie. Or, maintenant qu'on voit qu'il y a de plus en plus de cultures bilingues ou même trilingues, et contrairement à ce qu'on disait il y a quelques décennies, ces enfants s'épanouissent très bien. Ils parlent 2 ou 3 langues impeccablement qu'ils ont appris au cours de leur 3e année, et le fait de parler 2 ou 3 langues, ça leur ouvre l'esprit, ça leur permet de comparer les cultures. C'est exactement le contraire de ce qu'on nous apprenait il y a quelques années. Alors, voilà ici comment donc je propose de raisonner.
C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus en termes de « une cause provoque un effet ». C'est-à-dire, même dans les sciences dures, on ne le fait plus, ça. J'ai des amis astronomes qui me disent « même en astronomie, il faut faire une convergence de causes pour que ça provoque un effet ». Alors vous pensez bien, en clinique humaine et en clinique psychologique, c'est vraiment une convergence de 1000 causes qui provoquent ou ne provoquent pas l'effet. C'est sûrement rarement, très rarement, une cause qui provoque un effet. Donc on propose de raisonner de la manière suivante. Un enfant arrive au monde, il est entouré par une constellation, la mère est une étoile majeure de cette constellation, mais le père est important, le grand frère, la grande sœur, la tante, les gardiennes, les métiers de la petite enfance. Et là, il a donc des tuteurs de développement. Lorsqu'il arrive à l'adolescence, il y a forcément la métamorphose, c'est-à-dire que la mère est moins prégnante, le père est moins prégnant. En revanche, on surestime le sportif, le copain de guitare, les copains de quartier, et on fait notre adolescence. Et si il y a une tragédie, on est privé de notre mère, de notre père, mais dans ce cas-là, on surinvestit des gens qu'on n'aurait pas surinvestis, et ces gens-là se transforment en tuteurs de résilience, à condition que la culture, le quartier, propose de quoi se développer. Alors, voilà, je vais terminer là-dessus, en disant qu'il faut raisonner chez des constellations de déterminants, et c'est aussi des raisonnements diachroniques. Pas seulement synchronique dans le temps, synchrone, mais diachronique, c'est-à-dire dans le développement, dans l'évolution du temps. Et là, c'est Michael Rutter qui a pris 17 enfants abandonnés, comme la photo de tout à l'heure, recueillis dans des familles d'accueil, et qui, après le premier amour, certains ont amélioré leur score d'attachement sécure, deux ont vécu le chagrin du premier amour comme un traumatisme, parce que le premier amour se termine toujours mal, hein, vous êtes d'accord. Et non, vous n'êtes pas d'accord. Alors, de toute façon, ça se termine, statistiquement, ça se termine mal. Et puis, par définition, si on parle de premier amour, c'est qu'il y en a un deuxième, donc ça se termine mal. Or, on constate que ce premier amour, qui est un chagrin parfois douloureux, enfin, toujours douloureux, eh bien, améliore quand même les styles affectifs, et on a appris à aimer mieux après le chagrin du premier amour. On a fait ce travail avec Delage à Toulon, et effectivement, on constate que lorsqu'on entoure ces enfants avant le premier amour, ils améliorent leur score d'attachement après le chagrin du premier amour. Donc c'est des raisonnements diachroniques, hein, ce n'est pas des raisonnements synchroniques. Donc voilà, donc je vais terminer deux mots, la rhétorique, la manière de parler, structure la niche qui entoure un enfant. Et ici, on voit quand il y a les linguistes, Mary Main, quand le parent, la femme enceinte, a un discours sécurisé, elle oriente ses comportements vers l'enfant qui, à l'âge de 10 mois, a acquis un attachement sécurisé. Quand la mère est préoccupée ou malheureuse, elle modifie la niche affective autour de l'enfant qui acquiert des styles affectifs différents. Et quand la mère est malheureuse, abandonnée, désorganisée, les enfants sont malheureux, désorganisés. C'est-à-dire qu'on a une preuve expérimentale qu'on peut évaluer linguistiquement, comportementalement et, si vous voulez, biologiquement, qui permet de rendre observable que la rhétorique, la manière de parler, transmet quelque chose. Donc là, je ne suis plus dans les neuropeptides, dans l'acétylcholine, je suis vraiment dans le monde humain, c'est-à-dire le monde des représentations verbales. Alors je termine. L'idée qui a organisé mon exposé, c'est que nous, êtres humains, on vit dans deux mondes. C'est pour ça qu'on peut acquérir des vulnérabilités biologiques et on peut acquérir des vulnérabilités verbales, culturelles, des insultes, des compliments, des représentations de mots. Or, voilà ici, j'ai réussi à me photographier tel que je me vois à peu près. Ça, c'est le monde des perceptions biologiques dans lequel on vit. Mais il y a aussi le monde des représentations d'images et de mots. J'ai réussi à photographier l'idée que je me fais de moi. La voilà. Merci de m'avoir écouté.
Merci à vous. Donc on peut se donner effectivement donc une vingtaine de questions. Je ne sais pas si déjà d'entrée de jeu certains ont envie de se lancer. Est-ce que vous pouvez, parce que je pense que c'était intéressant, comme vous le savez, le thème de l'année était un peu le consacré donc à la vulnérabilité, autant vous avez pointé les aspects qui peuvent fragiliser hein, le cours du développement donc, d'un enfant. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce concept de résilience que vous avez été un des premiers effectivement à utiliser et à vulgariser en France pour bien montrer aussi la capacité de rebond que tout individu peut avoir malgré effectivement parfois des événements de vie douloureux et la capacité de réorganisation que ça peut imposer. Alors, merci de me poser cette question. Alors, effectivement, je fais partie d'une génération où on nous disait que la notion de traumatisme est une notion récente. Hein, c'est-à-dire que jusqu'au XIXe siècle, on pensait que le traumatisme n'existait pas. Si un homme rentrait de la guerre avec des bouleversés ou avec des idées étranges, eh bien on disait que quelqu'un lui avait jeté le mauvais œil, ou même après les Américains, après la guerre de Corée, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, quand des hommes étaient bouleversés ou abattus, on disait que c'était des lâches, et souvent ils étaient emprisonnés ou même giflés parce qu'ils étaient lâches. Donc le traumatisme, alors Freud, c'est pas Freud qui a inventé la notion de traumatisme, c'est Pierre Janet, son frère ennemi, son rival, et Oppenheim, un philosophe, qui ont proposé la métaphore par analogie avec une fracture de cuisse. Hein, c'est-à-dire qu'ils disaient, on dit qu'une cuisse est traumatisée quand il y a un traumatisme, quand l'os est cassé. Alors il peut y avoir un traumatisme ouvert, la brèche communique avec l'air, ou un traumatisme fermé, la paroi n'est pas déchirée. Alors cette métaphore chirurgicale a été utilisée par Pierre Janet et Oppenheim, et plus tard par Freud, qui a fait toute une théorie pour expliquer l'hystérie, c'est-à-dire où des femmes, alors on dit des femmes, et puis ensuite on dit zut, on a encore oublié des hommes aussi, où des femmes sont hystériques, c'est des mots qu'on emploie plus maintenant, sauf quand on veut insulter quelqu'un, mais on disait que parce qu'elles avaient été agressées sexuellement quand elles étaient petites et qu'elles ne pouvaient pas le dire parce qu'elles ne comprenaient pas ce qui s'était passé, ou alors, dit ajouter Freud, parce qu'elles avaient le fantasme, l'idée qu'elles avaient été agressées, mais elles ne l'avaient pas été réellement. Donc là, il y a un débat. Et nous, on nous apprenait que lorsqu'on était... Donc le traumatisme était rentré dans la culture, après la Seconde Guerre mondiale, et que Joan Baez, une chanteuse que vous connaissez peut-être, il y avait les vétérans du Vietnam américain, les vétérans, ils sont âgés de 30 ans, hein. C'est-à-dire qu'ils ont fait la guerre et ils rentrent chez eux, on les appelle les vétérans, ils ont 30 ans. Et ils rentraient chez eux, très bouleversés, alcooliques, sombres, bagarreurs, et on leur envoyait la police et on les mettait en prison. Et c'est les féministes, et surtout Joan Baez, la chanteuse, qui ont dit, mais ces hommes ne sont pas responsables de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont, le responsable, c'est l'État qui les a envoyés faire la guerre au Vietnam. Il faut entourer ces hommes. Et dès l'instant où ces hommes ont été entourés, tous n'ont pas été récupérés, mais il y a eu une très nette amélioration relationnelle et psychologique. Alors, donc ça a été le point de départ, dans une optique non freudienne, de la réflexion sur le traumatisme. Et puis maintenant, la théorie de la résilience font partie de la formation obligatoire des militaires. C'est-à-dire que maintenant, il y a une formation à la résilience avant le trauma, avant l'engagement, pendant l'engagement, après l'engagement. Et il y a des méthodes, il y a des trucs à donner pour augmenter la probabilité de reprendre... Alors la définition est très simple, c'est reprendre un autre développement après le traumatisme psychique. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. Elle a eu beaucoup de mal à rentrer dans la culture. Et nous, on nous disait, quand on est traumatisé, on est perdu pour la vie, c'est fini. On ne peut pas récupérer. Et les théories de la résilience disent, mais si, il faut comprendre comment certains s'en sortent de façon à pouvoir l'appliquer à ceux qui ont du mal à s'en sortir. Et maintenant, on fait donc des résiliences neuronale, comme j'en ai parlé tout à l'heure, affective, réorganiser la niche, verbale, psychologique, socio-culturelle, les récits, l'accueil des familles. Maintenant, à Toulon,
les soldats qui rentrent de l'Afghanistan, avant leur retour, les familles sont préparées au retour du soldat. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de suicides parce que la paix tue plus les soldats que la guerre. C'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de morts en temps de paix qu'en temps de guerre, dans les guerres modernes. Alors, l'hypothèse est naïve, clinique, est partie comme ça, mais moi j'en ai vu certains qui se sont remis à vivre. Vous n'avez pas compris, ils n'ont pas été vraiment traumatisés, ceux-là. Alors, on a travaillé, on a fait un groupe de recherche à Toulon, et puis j'ai été invité avec Médecins du Monde en Roumanie, et ça a été le point de départ, c'est-à-dire que ces enfants, on s'est fait agresser. Les gens nous disaient, mais pourquoi vous allez vous occuper de ces enfants? Vous voyez bien que ce sont des monstres. Et nous, on disait, ce sont des monstres puisque personne s'en occupe. Il suffit de leur proposer un substitut familial, affectif, éducatif, et un grand nombre d'entre eux ne deviendront pas des monstres. Et c'est une psychologue américaine, Amy Werner, qui a proposé la métaphore, et c'est Michael Rutter, qui est professeur à Londres, et qui vient avec nous travailler à Paris, qui a proposé des méthodes. Et maintenant, on a des méthodes qui permettent d'évaluer tous les stades de la résilience. Comme je vous l'ai proposé, on a des évaluations neurologiques, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, des évaluations comportementales, manière de parler, rhétorique, silence, évaluation linguistique, affective et surtout les récits culturels, parce que dès l'instant où les soldats du Vietnam, les vétérans, n'ont plus été considérés comme des truands, mais ont été considérés comme des blessés de l'âme, des blessés de la guerre, ils ont été entourés et beaucoup se sont améliorés. Donc voilà comment est partie l'aventure de la résilience qui maintenant fait un nombre de publications tout à fait important. Je pense que vous avez bien compris, c'est la notion de pouvoir rebondir. Réussir le concours, c'est un objectif, c'est pas une finalité en soi. Excusez-moi, c'est un peu facile. Pas d'interrogation. Bonjour. Allez-y. En fait, j'aurais juste une question. Vous avez parlé en disant les enfants qui avaient des fois un caractère un peu violent, c'était parce qu'ils avaient une enfance difficile avec des maltraitances. Qu'est-ce que vous pourriez dire des criminels? Enfin, est-ce que vous pensez qu'un comportement criminel, genre des tueurs en série, etc., est-ce que ça a toujours un lien avec un passé? Merci pour cette question. Parce que c'est effectivement comme ça que la question s'est posée. John Bowlby, mon maître, a dit « Les enfants abandonnés forment une population de délinquants. » Ce qui était vrai, parce qu'il a fait une hypothèse absurde, qui aujourd'hui paraît banale, mais qui, en 1950, paraissait absurde, les enfants ont besoin d'affection pour se développer. Ça paraissait totalement aberrant dans les années 50, où on était dominé par les théories nazies de la supériorité biologique de certains parmi nous. Hein, les blonds d'oligocéphales sont de meilleure qualité biologique que les bruns. Donc c'était la théorie qui a pas seulement baigné l'Allemagne, mais qui a baigné l'Europe et une grande partie de l'Occident, et même les Japonais. Donc ça veut dire que quand John Bowlby, à l'OMS, a proposé de faire une recherche entre troubles du comportement, délinquance et carence affective, personne n'a voulu lui donner d'argent pour faire une telle recherche, tellement l'hypothèse paraissait absurde. Finalement, c'est l'OMS qui lui a donné une bourse pour 6 mois. Et au bout de 6 mois, il a fait une étude qui était pas mal, et il a conclu « la carence affective provoque la délinquance ». C'était un peu trop rapide. Il aurait dû dire, aujourd'hui on dirait, la carence affective provoque une vulnérabilité acquise, et si on ne sécurise pas ces jeunes gens, ils ne savent pas contrôler leurs émotions, ils passent à l'acte plus facilement, ça donne des délinquants. Mais si on les entoure, si on les sécurise au corps à corps, verbalement, si on crée des lieux de parole culturels,
ils vont apprendre à contrôler leurs impulsions et très peu passeront à l'acte. C'est ce qui se passe actuellement. On travaille dans un de mes groupes, il y a Michel Borne qui est professeur de droit et de psychiatrie à Liège, et qui a fait des populations d'enfants. Incontestablement, cette vulnérabilité neuro-émotionnelle acquise par une défaillance affective précoce, elle est rattrapable si on propose une niche affective, verbale et culturelle. Et là, on voit, il y a très peu de délinquants. Donc, c'est pas linéaire. Et John Bowlby, en 1950, a eu le tort de faire une causalité linéaire, ce qu'on lui a reproché, mais maintenant, on ne ferait plus le raisonnement linéaire qu'il a fait. Comment vous avez fait pour prendre en charge des enfants isolés, présentant des troubles du comportement, pour leur redonner un développement affectif et neurologique normal ? Alors, merci pour cette question, parce qu'effectivement, comme on n'avait pas travaillé la question, quand en 89-90 on a été dans les mouroirs d'enfants abandonnés, les enfants, personne ne leur adressait la parole. Ils avaient une gamelle par jour de soupe et un coup de jet d'eau par mois. Donc ils sentaient mauvais, ils étaient sales, ils ne savaient pas parler, ils ne savaient que se balancer. Et on a commis une faute, comme on n'avait pas travaillé, on a fait comme avec nos enfants. On a souri à ces enfants et on leur a tendu les bras. Contresens total, ces enfants privés d'altérité, sourire, c'est montrer les dents, tendre les bras, c'est menacer. Et ou bien ils se mettaient à crier, ou bien ils s'auto-agressaient très fort. Et on a compris qu'il fallait sensoriellement apprivoiser ces enfants et tout doucement s'approcher d'eux, leur faire une offrande, et il fallait faire en 2 mois ce qu'on fait en 30 secondes avec des enfants aimés et socialisés. Alors, les familles d'accueil ont appris, les psychologues ont appris à faire ça, et maintenant on sait qu'on entre en relation avec ces enfants, parce que ce qui est pour nous la banalité du quotidien, eux, ils en ont été privés. Donc pour eux, c'est une information insupportable. Hein. Rappelez-vous les canetons, une même information déclenche le plaisir d'explorer si on est sécurisé, la même information déclenche une panique et des troubles organiques si on est insécurisé. Hein, la diarrhée émotionnelle, c'est probablement le cœur devait aussi accélérer, probablement il y avait des modifications de potassium, on ne l'a pas fait, mais quand il y a des diarrhées, il y a des fuites potassiques, donc probablement on aurait trouvé ça. On ne l'a pas fait. Mais ça veut dire que ce qui est banal pour chacun d'entre nous, devient une information insupportable pour un enfant qui a été privé d'affection. Donc maintenant, on sait qu'il y a toute une méthode éducative d'apprivoisement qui fait qu'on met longtemps à s'approcher de ses enfants, à les sécuriser, et qu'à ce moment-là, on voit qu'un grand nombre d'entre eux rattrapent leur retard très rapidement, y compris sur le plan intellectuel. Ils sont tous autistes ou très retardés intellectuellement. Un grand nombre de ces enfants, une fois sécurisés, ont rattrapé leur retard, et quelques-uns même sont devenus bons élèves. Et même, on a évalué par le quotient intellectuel et par les résultats scolaires, quelques-uns ont rattrapé leur retard en quelques mois. Ce n'est pas la majorité. Est-ce que vous avez une idée par rapport donc à des enfants qui naissent dans une famille qui peut leur donner un environnement affectif donc normal, mais qui ensuite deviennent autistes. Donc, parce que dans certains cas, l'autisme se développe, par exemple, j'ai lu dans quelques livres, à partir de 2 ou 3 ans, mais avant ça, l'enfant avait un comportement normal, et à partir d'un certain moment, l'enfant est devenu autiste. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Alors, je pense que l'enfant n'est pas devenu autiste, mais qu'il y a quelques années, on faisait le diagnostic d'autisme en moyenne à l'âge de 3 ans et demi, parce qu'on avait mal évalué les signes cliniques, et que maintenant, on évalue les signes cliniques mieux qu'avant, on a appris ce qu'on a cherché à comprendre, et maintenant, on peut faire des diagnostics vers l'âge de 18 mois, parce qu'il n'y a pas de mouvement d'anticipation, on met le biberon, ils n'anticipent pas avec la bouche, on leur tend les bras, ils n'anticipent pas avec les bras, ils évitent le regard,
ils ne soutiennent pas le regard. À l'âge de 12-13 mois, ils ne pointent pas du doigt. Le pointer du doigt est un indicateur que l'enfant va parler. Quand un enfant à 13-14 mois pointe du doigt, c'est qu'il a compris que par ce geste désignatif, il peut agir sur votre monde mental et orienter votre monde mental vers l'objet convoité. Donc un enfant qui a 13-14 mois pointe du doigt parlera. Ces enfants-là ne le font pas. Et maintenant, on a appris à dépister ces petits signes qu'on ne savait pas dépister avant. Et probablement, la mère sentait des signes qu'elle n'avait pas su décrypter, elle n'avait pas su en faire une sémiologie clinique, une sémiologie comportementale. Très souvent, les mères disent « je comprends pas pourquoi ce bébé me paraissait plus lourd que ses frères et sœurs ». C'est parce que les frères et sœurs ajustaient leur corps sur le corps de leur mère, donc il était facile à porter, et que ce bébé-là s'ajustait mal et qu'il fallait le tenir, il paraissait plus lourd, en poids réel il était pareil, mais comme il ne s'ajustait pas, il paraissait plus lourd. Donc je pense qu'il y avait des tout petits signes qu'on ne savait pas décrypter, qu'on sait décrypter maintenant. De plus, je pense que l'autisme n'a rien à voir avec une carence affective. Ces deux souffrances, tout à l'heure j'ai parlé de pseudo-autisme, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autre, il n'y a que des activités autocentrées. Mais si on fournit un autre, beaucoup de ces enfants peuvent rattraper leur retard. Alors que dans l'autisme, il y a des méthodes éducatives, il y a des prises en charge très différentes. Je crois qu'il s'agit d'une pathologie, d'une forme de psychopathologie. Certains disent de neuropathologie. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. C'est une forme. Là où on sera d'accord, c'est dire c'est une pathologie développementale différente de la carence affective. Comment les expériences sur l'enfant, donc expériences sur son fonctionnement psychique conscient, ont influencé donc la compréhension de l'inconscient ? Vous n'avez pas une question plus facile ? Alors non, c'est pas une question facile, mais c'est une question passionnante quand même. Freud, qui était neurologue et qui a toujours publié dans des revues de neurologie, même à la fin de sa carrière, disait qu'il y a ce qui caractérise l'inconscient, c'est-à-dire le refoulement. On empêche certains souvenirs de venir en conscience pour se protéger de la souffrance ou du malaise que j'aurais à laisser venir ce souvenir face à vous. Voilà, c'est une définition rapide du refoulement. Mais il disait aussi que sous l'aspect psychique, il y a ce qu'il appelait le roc biologique de l'en-dessous. Et il disait quand on gratte et quand on va en profondeur, il y a toujours un moment où on arrive au biologique. Alors nous, quand on travaille, on réserve le mot inconscient à la définition freudienne et on emploie l'expression non-conscient quand on parle de l'apprentissage insu, des traces synaptiques qu'on voit maintenant au scanner, à la résonance magnétique, on voit les circuits sans difficulté. On voit par exemple qu'un enfant autiste, un enfant non autiste, quand on lui parle, il allume son lobe temporal gauche, c'est-à-dire que la partie des sons consomme beaucoup d'énergie. Il entend quelque chose, et plus on parle, plus la zone se réduit et se transforme en zone qui sera plus tard la zone du langage. Ça, c'est un enfant qui va parler. Or, un enfant qui va être autiste, on voit que quand on lui parle, c'est la zone occipitale qui consomme de l'énergie et pas la zone temporale. Donc, on pense qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre neuro, une altération neurodéveloppementale, et la famille n'a rien à voir là-dedans, la mère n'a rien à voir là-dedans. C'est un trouble neurodéveloppemental. Moi, je sais pas d'où ça vient. Alors, pour éviter votre question, on choisit de dire, on garde l'expression inconscient, définition freudienne. Et on garde non conscient pour les traces synaptiques, le roc biologique de l'en-dessous, même si ces traces synaptiques jouent un rôle dans la verbalité, parce que dès l'instant où on a une manière particulière d'éprouver les choses, on donne une traduction verbale de nos sensations. Ce n'est pas des raisonnements, c'est des rationalisations, c'est-à-dire que c'est des formes verbales
qu'on donne à nos sensations. Oh là, ce gars, il m'énerve, oh là là, il est dangereux. Regarde, les gars qui portent des lunettes, c'est des gars dangereux, hein, tous. Hein. Alors, voilà, donc j'ai une sensation, je ne sais pas d'où elle vient, et je donne cette forme verbale. Donc ça, c'est le non-conscient. On voit la circuiterie se mettre en place à la neuro-imagerie, mais ce n'est pas l'inconscient qui implique le refoulement d'un souvenir insupportable. Le lien entre attachement, complexe d'Oedipe et adolescence. Alors, l'attachement, on a une méthode, une théorie qui est cohérente, mais qui est intégrative. Quand Freud a proposé la fable du complexe d'Oedipe, c'était tiré de l'éthologie animale, c'est-à-dire la théorie de la horde primitive. Et Freud disait, à l'origine de la condition humaine, lorsqu'on était, il n'y avait pas beaucoup civilisé, on était soumis à nos pulsions. Donc quand on arrive à la passion de l'adolescence, la réaction normale, c'est de tordre le cou de son père et de violer sa mère. Alors, ça c'est on a peut-être un peu changé depuis, mais voilà, c'était donc la théorie de la horde primitive. On sait que cette théorie, chez les animaux, n'est pas vraie, puisqu'il y a des rapports de rituels d'interaction, il y a des entraides, et que les animaux n'ont déjà plus cette violence, donc je ne vois pas pourquoi les êtres humains l'auraient eu à l'origine et l'auraient plus maintenant. Alors c'est à partir de cette théorie de la horde primitive, qui est une théorie romantique 19e siècle, hein, c'est-à-dire c'est l'homme avec le gourdin tirant sa femme par les cheveux, c'est la théorie, c'est l'imagerie 19e siècle, et à partir de cette imagerie, Freud a extrapolé un peu vite. Alors je pense que l'attachement est une théorie intégrative, la horde primitive, la Oedipe schématiquement est rentrée dans notre culture pour dire qu'il y a un moment où on prend un petit garçon, vers l'âge de 2 à 6 ans, 5 ans, dit tiens, il y en a parmi nous qui ont un zizi et d'autres qui n'en ont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique comme identification? Donc puisque j'ai un zizi, plus tard je serai papa comme mon papa. Donc ça veut dire qu'il y a toute une image d'identification qui se met en place. Et c'est comme ça que maintenant Oedipe est rentré dans notre culture. Et pour ça, je crois qu'on n'est pas obligé d'étrangler son père et de violer sa mère. Très bien, écoutez, donc on va remercier encore une fois donc Monsieur Cyrulnik. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée avec plein de notions en tête, avec l'image donc de Boris Schwarzenegger en tête. Et à demain pour les ED. Merci.